En ce moment, l'île principale qui se divise en deux parties. Une partie privée qui se trouve derrière nous et une partie publique que nous longeons actuellement. La population de Sauzet se compose d'une dizaine d'habitants à l'année qui sont essentiellement des pêcheurs et des gens qui s'occupent des gîtes. Par contre, l'été, la population passe à 400 habitants où ce sont essentiellement des maisons secondaires et des maisons de vacances. Derrière la petite maison blanche, vous pouvez apercevoir une pyramide. Cette pyramide a été construite à l'époque où les pêcheurs Grand-Villet et les pêcheurs Grand-Allet
pêcher des huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel. À l'époque, il y avait beaucoup de conflits entre ces deux ports, car ils se disputaient les lieux de pêche. Donc ils ont eu l'idée de construire cette pyramide, car en la prenant en alignement avec le Mont-Saint-Michel qui se trouve droit devant nous, ça donnait une ligne imaginaire, ce qui fait que les pêcheurs grand-villés pêchaient d'un côté et les pêcheurs cantalés de l'autre. Sur votre droite, vous pouvez voir le phare de Chauzet, avec ses 43 km de portée en mer. Le phare abrite deux groupes électrogènes qui fournissent toute l'électricité de l'île, car il faut savoir que l'île n'est reliée en rien au continent. Pour ce qui est de l'eau, toutes les maisons sont équipées de cuves récupératrices d'eau de pluie, et c'est la vedette Jolie France 2 qui fait l'appoint en emmenant chaque jour entre 20 et 40 tonnes d'eau supplémentaire. Elle assure aussi le service postal et ramène sur le continent toutes les ordures ménagères, ce qui a permis de faire un échange sur l'île.